these companies were coming to me with, they're like, hey, we want you to stream on our website, gamble, and we are willing to pay you $35,000 an hour. How much do they pay you? Probably get in trouble for releasing it, but I'll tell you, a million a month. And I'm down 2.8 million this month. So now you can see how degenerated it is. It's bad. Suite au stream, au premier stream que j'ai fait, à la pub que je leur ai faite, bah, il y a vraiment des milliers de personnes qui sont arrivées. Le fait que la personne se trouve à l'étranger ne l'empêche pas de commettre une infraction en France. Puis si un jour cette personne francophone, et peut-être même française, vient sur le territoire français, et ben, elle sera accueillie avec, à bras ouverts. Tu perds vraiment la notion de l'argent, c'est un truc de fou. Genre, moi, j'ai commencé à lâcher des 100 balles sur des trucs qui n'ont aucun sens, quoi. Genre, à mon âge, tu vois, genre, j'avais même pas 18 ans. C'est retour à la case départ, là, j'ai plus d'argent. J'ai rien, je suis sans emploi, je vais même pas refaire une terminale, donc là, c'est, je vais aller travailler, quoi. Je vais aller à McDo et... Salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un sujet complètement différent et qui a été très compliqué niveau recherche et écriture, du fait que c'est un milieu que je ne connaissais absolument pas. On va donc parler aujourd'hui des casinos en ligne, mais aussi et surtout des streamers de casinos en ligne sur la plateforme Twitch. Pour réaliser cette vidéo, j'ai donc dû contacter différentes personnes, comme des streamers qui ont souhaité rester anonymes, des personnes addictes aux casinos en ligne, ainsi que l'autorité nationale des jeux, l'ANJ, avec qui je me suis entretenu pour leur poser des questions sur la situation actuelle. Cette vidéo va être seulement consacré aux casinos en ligne. Je sais que le sujet des paris sportifs est aussi très problématique, mais le sujet mériterait une vidéo totalement dédiée à ce sujet complexe. Je ne traiterai pas non plus du poker ainsi que des sponsors sur les lives comme avec Winamax par exemple. C'est aussi un problème qui mérite qu'on en parle, mais j'ai décidé de n'être concentré qu'autour des casinos. À côté de ça, sachez que je prépare une grosse vidéo comme celle que j'ai pu sortir avec la Corée du Nord. Si vous avez aimé cette dernière, vous allez aussi adorer la prochaine, donc je vous invite fortement à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais surtout d'activer la cloche. Vu le peu de vidéos que je sors, je ne risque pas de vous spammer de notifications, vous inquiétez pas. Donc merci beaucoup à ceux qui y pensent, ça aide énormément le développement de la chaîne. Vu que le sujet d'aujourd'hui est amené à être un sujet démonétisé, j'ai cherché un partenariat pour cette vidéo, et c'est Displate qui donc sponsorise cette vidéo. Displate, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui propose des centaines de milliers de posters qu'on appelle plates, qui ont la particularité d'être en métal, ce qui permet de pouvoir les poser sur vos murs sans faire de trous. Il suffit tout simplement de bien nettoyer ton mur avec les lingettes mises à disposition, de coller ce bout de papier au mur, puis l'aimant sur le bout de papier, et c'est bon, tu peux poser ta plate. Niveau choix, il y en a vraiment énormément. Il y a du manga, du jeu vidéo, de l'art, du cinéma, des paysages, il y a vraiment de tout et dans plusieurs formats possibles, du M en allant jusqu'au XL. Tu peux même intégrer un bord autour de la plate pour faire ressortir le visuel. Personnellement, j'ai pris cela, le rendu est super beau. Honnêtement, je m'attendais pas à un rendu aussi propre et c'est vraiment ultra facile de les poser. Et l'avantage, c'est que si tu as envie de changer de poster, il suffit tout simplement de l'enlever et d'en remettre un autre, vu que ça fonctionne avec des aimants. Si vous voulez essayer, j'ai deux promos pour vous. Si vous achetez une ou deux plates, vous avez moins 27%, et si vous en achetez plus de 3, vous avez moins 37% sur votre commande. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Displate, le lien est en description, il y en aura sûrement dans le lot qui vous plairont. N'hésitez pas à remercier Displate en commentaire, sans ce genre de partenariat, c'est très compliqué de pouvoir sortir d'aussi grosses vidéos. Avant d'aller plus loin, je tenais à vous signaler que la vidéo risque d'être assez complexe et très dense en informations. Je vous invite donc à rester concentré pour bien tout comprendre et de ne pas louper de partie. J'ai écrit la vidéo d'une façon à qu'elle soit compréhensible au maximum et comprendre tous les tournants et aboutissants du problème. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi donc je parle des casinos en ligne? Quel est le problème avec les streamers? On va maintenant s'intéresser à ces casinos en ligne et comprendre comment fonctionnent ces sites. Les sites de casinos en ligne sont en constante progression depuis environ 5-10 ans. Ils sont de plus en plus populaires ainsi que de plus en plus faciles d'accès. C'est dû d'un côté à la démocratisation de ces casinos, mais aussi et surtout du fait que les casinos en ligne les plus connus sont en crypto-monnaie. En effet, le fait de passer par des crypto-monnaies permet à ces casinos une plus grande liberté et un moyen de payer moins d'impôts que s'ils étaient avec de l'argent brut. Mais il faut savoir une chose avant de continuer, que certains ne savent peut-être pas, mais tous les casinos en ligne sont illégaux en France, et ça sans exception. Avant de faire mes recherches pour cette vidéo, je pensais que vu le nombre de casinos en ligne disponibles, et notamment les streamers francophones qui jouent sur ces casinos, eh bien je pensais naïvement qu'ils étaient dans une sorte de flou juridique, une zone grise de la loi. Mais non, c'est bel et bien illégal. Pour revenir au
casino en ligne, il faut que vous compreniez comment un casino en crypto-monnaie fonctionne pour la suite de la vidéo. Déjà, pour qu'un casino en ligne puisse exister, il lui faut absolument ce que l'on appelle une licence gaming ou encore appelée licence gambling. C'est une licence qui permet d'être validée par un organisme pour ensuite pouvoir obtenir les logiciels pour le casino, les machines à sous, avoir un système de paiement fiable, ainsi que tout simplement d'avoir une structure légale, notamment rassurer les joueurs, être crédible. La licence la plus commune et aussi la plus simple et la moins chère est la licence Curaçao. Curaçao, c'est une petite île dans les Caraïbes qui est très privilégiée pour les comptes offshore et donc tout ce qui touche à l'optimisation fiscale, voire même l'évasion fiscale. C'est une licence pour le coup facile d'accès. J'ai moi-même entrepris des démarches pour l'obtenir, pour comprendre comment ça pouvait fonctionner. Et j'ai pu avoir un rendez-vous sous 24 heures en visio avec au préalable l'envoi d'un PowerPoint pour expliquer comment fonctionne cette licence. Au final, quand tu achètes cette licence, tu as aussi un accompagnement pour la création de ton entreprise et forcément l'optimisation fiscale avec. L'achat de cette licence coûte environ 20 000 $ entre la création d'entreprise, les divers frais de dossier et forcément le coût de la licence elle-même, ce qui est un prix tout de même très abordable pour un casino en ligne. Par contre, ce qui est assez drôle dans cette licence de Curaçao, c'est que quand on lit les petites lignes de cette licence, on se rend compte qu'elle n'est pas valable dans plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, ce qui est quand même assez fou quand on peut voir le nombre de streams anglophones et francophones sur Twitch. Il y a aussi les Pays-Bas, Saint-Martin, mais aussi Curaçao elle-même. C'est pour vous dire à quel point cette licence est bancale pour que le pays à l'origine de cette licence n'autorise pas les casinos dans sa propre juridiction. Et pour vous donner une idée, la plupart des gros sites de casinos en ligne sont sous cette licence. Pourtant, il n'y a aucune mesure de blocage d'IP du côté des casinos pour toutes les personnes qui viennent de ces pays interdits. D'ailleurs, petite parenthèse, les streamers ont pour la plupart des sites pour répertorier leurs liens d'affiliation. Sauf que vu que les casinos en ligne sont interdits pour les Français, ils mettent le drapeau du Canada pour donner l'illusion qu'ils ciblent les francophones canadiens, ce qui est dans le fond qu'un moyen d'essayer de se protéger. Pour revenir sur le sujet des casinos, eh bien étrangement, ils sont très très simples d'accès, au point que la plupart ne demandent aucune vérification d'identité pour s'inscrire. Pas de carte d'identité, pas de carte bancaire obligatoire vu qu'on est en crypto-monnaie, rien du tout. Et pour déposer, rien de plus simple, il suffit simplement d'envoyer de la crypto sur une adresse et en quelques minutes, voire secondes, le virement est reçu sur le site et vous pouvez dépenser votre argent. Tout est fait pour qu'on puisse dépenser son argent le plus rapidement et simplement possible. Quand on compare aux sites de paris en ligne ou encore les casinos physiques, c'est tout de même différent. Ces derniers demandent systématiquement une preuve d'identité pour en avoir accès, notamment pour pouvoir retirer son argent, ce qui permet aussi de contrôler les mineurs qui voudraient jouer. Les casinos en ligne ont différents types de jeux, mais les plus populaires sont d'un côté les machines à sous et de l'autre les jeux télévisés ainsi que la roulette et le blackjack. Les machines à sous ne sont pas pour la très grande majorité la propriété du site. Ce sont des machines qui sont en quelque sorte louées par le casino. Les détenteurs de ces machines est ce que l'on appelle des providers. Et dans la hiérarchie des casinos en ligne, c'est eux qui gagnent le plus d'argent. C'est notamment pour cela qu'il est très difficile pour les casinos en ligne, voire même impossible, de truquer les taux de gain d'une personne en particulier, vu qu'ils n'ont pas accès directement aux machines. Même si on le verra plus tard, ce n'est pas non plus quelque chose d'impossible dans l'absolu. Et à côté de ça, si jamais vous avez un problème avec vos gains, que vous ne pouvez pas le retirer, ou que vous estimez être victime de triche, ce qui est parfois le cas de certains sites frauduleux, la justice ne pourra rien faire pour vous. La personne est démunie de tout moyen, de toute protection juridique lorsqu'elle fréquente un site illégal, ce qui signifie qu'elle a peu de chances de retrouver ses gains s'il refuse de lui payer. Ce qui arrive lorsqu'il gagne un peu trop, que ses données personnelles vont être gérées selon le bon vouloir du casino en ligne, que ses moyens de paiement sont susceptibles d'être utilisés. Tout est possible hein, avec ces sites. Avec l'épidémie et les confinements à répétition, les casinos en ligne ont trouvé le moyen de se développer en permettant d'avoir le casino directement depuis chez soi et de convertir de nouveaux joueurs à travers une plateforme qui elle aussi a gagné en popularité avec le confinement, Twitch. On arrive donc à la partie principale de cette vidéo, les streamers de casino en ligne sur Twitch. C'est sûrement la partie la plus dense et complexe de cette vidéo, donc restez bien concentrés, ça a été très compliqué de tout résumer sans partir dans tous les sens. Pour commencer, il faut que vous compreniez pourquoi ces streamers sont autant importants pour ces casinos en ligne. Cela vient du fait qu'ils ont beaucoup de difficultés à promouvoir leur site sur internet. En effet, les publicités disponibles sur Google, Facebook, TikTok, etc. sont soit impossibles pour les casinos ou alors coûtent très cher. Et le choix qu'ils ont fait pour toucher un maximum de personnes avec un prix qui reste rentable pour eux a été de cibler le public des streamers sur Twitch. Twitch est la plus grosse plateforme de streaming au monde et c'est sûrement l'une des seules à autoriser plus ou moins les streams des casinos, même si leur positionnement sur le sujet reste assez ambigu et surtout très flou. YouTube a de son côté interdit la promotion de contenu casino, même s'ils autorisent encore les vidéos de best-of de ces streams tant qu'il n'y a pas de lien de parrainage. Les streamers sont donc très importants pour les casinos et c'est pour cela qu'ils ont des contrats très avantageux. Ouais, je me la pète un petit peu, mais en fait, suite au premier stream que j'ai fait, à la pub que je leur ai faite,
bah, y a vraiment des milliers de personnes qui sont arrivées et ils n'avaient pas le support client suffisant pour ça. Salut à tous les gars, nouvelle annonce, je viens de signer un contrat avec Stake de 3,6 millions d'euros. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai 10 000 euros de start Wager x 40. Ce qui fait qu'à l'année, ça fait effectivement 3,6 millions. Tout ça, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Mais c'est surtout depuis 2018-2019 que ça a commencé à grossir de plus en plus. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, la catégorie casino sur Twitch est classée 19e du site devant des très gros jeux comme Rocket League, Fall Guys, TFT, PUBG, Overwatch et encore plein d'autres. Certains streamers ont régulièrement plus de 20 000 personnes en direct. Et pour les Français, les plus gros tournent aux alentours des 6 000 jusqu'à plus de 10 000 spectateurs en simultané. Comprenez bien que ce dont je vous parle n'est pas un phénomène de niche, mais touche des centaines de milliers de personnes. Et en France, nous avons certains streamers faisant partie des plus grosses chaînes autour des casinos du monde, comme le streamer Bidule ou encore Tuffer. La totalité des streamers de casinos sont en partenariat avec un ou plusieurs casinos en ligne, ce qui leur confère à la fois des revenus mais aussi des avantages. Les streamers francophones qui vivent du casino en ligne ont en général déménagé à Malte, pour sa fiscalité très avantageuse. Avec un bon montage financier, tu peux être aux alentours des 5% d'impôts. Mais le principal avantage à côté de celui des impôts se trouve sur la fiscalité autour des crypto-monnaies. Je vous l'ai déjà expliqué avant, les casinos en ligne sur lesquels ils jouent sont en crypto-monnaie. C'est-à-dire que pour jouer, tu ne déposes pas de l'argent de ton compte en banque jusqu'au casino, mais de ton compte en banque jusqu'à ce que l'on appelle un wallet, un porte-monnaie numérique de crypto-monnaie. Et c'est avec ce dernier que tu déposes de l'argent sur le casino en ligne. C'est-à-dire que si tu arrives à obtenir des gains, ils seront en crypto-monnaie aussi. Et en France, la crypto-monnaie est imposée aux alentours des 30% à partir du moment où tu veux la redéposer sur ton compte en banque. Sauf qu'à Malte, la crypto-monnaie n'est pas imposable, ce qui fait qu'ils ne payent pas d'impôts dessus. Ils sont donc doublement gagnant. Sans oublier que Malte est un pays autorisé sur la licence de casino de Curaçao. La plupart de ces streamers diffusent quasiment tous les jours. Certains, et ça de plus en plus souvent, font en sorte qu'une connaissance à eux stream sur leur chaîne sur un autre créneau horaire, de manière à toucher encore plus de monde. Un peu à la manière d'une web TV. Parce que, comme ils le disent, le public du matin n'est pas le même que le public de l'après-midi ou du soir. Mais vous savez que j'ai vraiment pensé ça pour quelqu'un, les gars, la nuit, les gars. Parce que la nuit, c'est un autre... C'est encore un d'autres viewers, tu vois. Donc j'ai vraiment pensé à prendre quelqu'un le matin. Tu sais que j'ai vraiment pensé à prendre quelqu'un pour faire des streams la nuit, tu vois. Mais vas-y, il faut que je trouve quelqu'un de confiant. Quelqu'un qui puisse habiter à Malte. Quelqu'un qui sache streamer. Enfin, qui soit marrant, tu vois. Si vous avez déjà entendu parler d'un streamer de casino en ligne, il y a de très grandes chances que ça soit par rapport au fait qu'il soit riche. C'est ce qu'ils mettent en avant et c'est un peu leur marque de fabrique. Sur leurs réseaux sociaux, l'argent est au centre de leurs discussions, ainsi que ce qu'ils peuvent montrer. Des montres de luxe, des liasses de billets, des jets privés, tout y passe. Ce qui est pervers, c'est que beaucoup se présentent comme des entrepreneurs, comme si les casinos les avaient fait devenir de vrais businessmen. C'est un moyen de rendre plus respectable le fait de jouer de l'argent en ligne, comme s'ils avaient su bien investir et qu'ils n'étaient pas des joueurs mais en fait des investisseurs. En plus d'être une fausse idée dans la forme, c'est aussi un mensonge dans le fond. Car ce qui leur a permis d'obtenir tout cet argent, ce n'est pas le jeu au casino en lui-même, mais bien les partenariats qu'ils ont avec ces casinos. Après tout ça, tout ce que j'ai mérité. Hein. Moi, vous connaissez mon histoire. Je fais du gambling depuis 7 ans, mais le casino en ligne, ça fait depuis fin 2018, donc ça fait 2 ans et demi, je crois. Et au début, bah, j'ai envoyé un mail à un des partenaires, et j'avais le deal d'affiliation le plus bas, et ils m'ont donné 500 euros sur un sem, tu vois. Ils ont vu qu'ils m'ont filé 500 euros, je leur ai amené 10 joueurs. Ils se sont dit, putain, 10 joueurs, il y a peut-être un truc à faire, on va lui redonner 500 euros. C'est donc leur activité de streamer, la visibilité qu'ils donnent au casino en ligne et leur capacité à vous transformer en joueur potentiel qui leur permet de gagner de l'argent. Vos pertes sont leurs profits, ni plus ni moins. Tout ça leur permet donc de donner aussi envie aux gens qui peuvent les suivre, envie d'avoir autant d'argent. Et même si certains savent que la majorité de leurs revenus provient des partenariats, quand tu vois tout ce luxe et ces richesses sur des semaines, voire des mois, ton cerveau n'est pas pragmatique. Ça te fait rêver. Et le moyen le plus facile d'accomplir ce rêve, le chemin le plus direct, c'est le gros gain au jeu d'argent. Et vous allez voir qu'il est là le plus gros problème des streamers de casino en ligne. Vous devez certainement vous demander comment ces streamers font-ils pour gagner autant d'argent. Concrètement, combien gagnent-ils? Déjà, pour commencer, je vous invite à écrire en commentaire ce que vous pouvez imaginer des revenus mensuels que les plus gros streamers francophones peuvent générer. Je suis très curieux de votre estimation. Et ne vous inquiétez pas, je vous fournirai une réponse un peu plus tard dans la vidéo. Je vais commencer par vous expliquer comment fonctionne le calcul de leurs revenus. Vous l'avez peut-être compris, leur fortune provient à la fois et en grande partie des affiliations qu'ils ont avec les casinos en ligne, mais aussi grâce à leurs gains sur ces casinos. La plupart des streamers ont plusieurs casinos partenaires. D'autres fonctionnent en exclusivité avec un seul casino en ligne. Il faut savoir que chaque streamer ont des deals, des contrats complètement différents et que tout est possible dans le monde des casinos en ligne. Ça vient notamment du fait que chaque contrat n'est pas encadré légalement. Ils ne signent rien. C'est un marché qu'ils ont à l'écrit. D'après mes informations, en général, trois formes d'affiliation reviennent régulièrement. Il y a ce que
que l'on appelle communément le CPA, un revenu fixe dès que quelqu'un s'inscrit sur leur lien. Ensuite, il y a un pourcentage autour des pertes du joueur. Par exemple, le streamer peut toucher 50% des pertes du joueur. Sur 100 euros misés et perdus, il récupérera 50 euros. Bien entendu, le pourcentage peut être plus élevé que 50%. Et plus subtil, il existe aussi le pourcentage par rapport aux mises ou dépôts des joueurs. Dans la théorie, sur celle-ci, les streamers vous diront que peu importe que vous gagnez ou perdez, ils gagneront toujours pareil, vu que c'est sur la mise ou dépôt et non pas le résultat. Sauf qu'en réalité, le joueur sera toujours perdant sur le long terme. Il gagne donc toujours de l'argent sur vos pertes. À côté de ça, il y a très souvent un fixe donné par le casino au streamer, qui est indépendant des résultats des affiliations. C'est une sorte de sécurité pour le streamer. L'un des derniers avantages qu'ils ont, ce sont des sommes données par le casino pour être jouées sur leur site. Des sommes allant de plusieurs centaines d'euros jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc vous m'avez vu pendant genre 6 jours faire des wagers tous les jours à 50 000 euros. Sachez que c'est parce que j'ai perdu environ 600 000 euros de ma poche sur Stake. Donc ils se sont dit, vas-y frérot, on va être sympa avec toi, tu nous as bien ralasse. Donc c'est à notre tour. Je te file les wagers 50 000 euros jusqu'à que tu retraites, j'ai retrait 80 000 euros, on est repassé en 10 000 euros logique. Ces sommes d'argent sont soumises à ce que l'on appelle un wager, qui est accompagné d'un multiplicateur. Prenons l'exemple de 1 000 euros donnés par le casino en wager x 40. Cela signifie que pour pouvoir retirer de l'argent, le streamer va devoir en tout miser 1 000 euros x 40, donc 40 000 euros. Si par exemple il a fait un spin, un tour de machine à 1 euro, il lui restera 39 999 euros à devoir miser. Et s'il récupère 10 euros après ce spin, puis qu'il remet ses 10 euros dans la machine, il lui restera donc 39 989 euros à devoir miser. Il faut donc en général faire un gros gain pour pouvoir espérer retirer de l'argent. Et ces streamers ont des wagers très souvent, plusieurs fois par semaine, voire des fois tous les jours, ce qui permet de pouvoir régulièrement retirer avec un peu de chance. Mais il ne faut pas oublier que c'est de l'argent gratuit, mais aussi et surtout du contenu de stream gratuit. Et vu que plus il stream longtemps, plus les gens restent sur son stream, plus cela augmente les inscriptions ou dépôts d'argent sur leur lien d'affiliation. C'est donc très rentable pour eux. Et bien entendu, certains streamers ont des sommes d'argent données par le casino qu'ils doivent jouer, mais sans aucun wager, sans aucune condition. Ce qui permet de faire croire qu'ils jouent avec leur vrai argent et encore une fois créer du contenu de stream gratuitement. À côté de ces avantages, ils peuvent aussi avoir des remboursements de leurs pertes. Si pendant leur session de stream, ils ont déposé 10 000 euros de leur vrai argent qu'ils ont ensuite perdu, le casino leur remboursera cette somme. Cela permet d'avoir en gros une sorte d'argent illimité, mais surtout de ne jamais être perdant avec le casino. Vous l'avez compris, ces streamers n'ont rien en commun avec des joueurs lambda. Leur perte d'argent est bien plus facile à contrôler grâce à tous ces avantages fournis par ces casinos. Et pourtant, à les entendre, ce sont des joueurs avec les mêmes risques que n'importe qui. Ce qui est complètement faux, mais surtout totalement trompeur pour les milliers de personnes les regardant. Parce qu'ils vont penser pouvoir s'identifier à ces streamers, et c'est là que ça devient très dangereux. Pendant mes recherches, j'ai réussi à recueillir le témoignage d'une personne qui montre à quel point ces streams de casinos en ligne peuvent être dangereux, et notamment quand cela touche des personnes mineures. Bon, moi j'ai 18 ans, j'ai commencé le casino avec CSGO, donc ça c'était il y a un moment quand je devais avoir peut-être 14 ans, et puis après j'ai découvert sur Twitter un peu les streamers casino, donc Tuffer, tout ça, c'est avec Tuffer que j'en ai entendu parler. Puis au début je faisais que regarder, et puis petit à petit j'ai commencé à jouer, et puis c'est là que j'ai commencé à perdre des sommes indécentes. Au moment où ça a explosé, le confinement, donc j'ai eu mes 17 ans pendant le confinement, donc c'est à ma fin de mes 16 ans, peut-être début de mes 17 ans, et voilà, hein. C'est là que vraiment j'ai commencé à bien regarder. En plus, Tuffer, voilà, moi je l'ai connu comme ça, c'est parce qu'en fait il avait gagné 1 million d'euros en septembre 2019, un truc comme ça, par là. Et du coup, c'est là que bon, ça a fait du bruit sur les réseaux. Et c'est comme ça que je me suis dit, enfin, j'ai vu ça sur les réseaux et je me suis dit, putain, comment il a fait? Et je me suis intéressé au personnage et c'est comme ça que je suis tombé sur ces streams et petit à petit j'ai accroché, quoi. Tu perds vraiment la notion de l'argent, c'est un truc de fou. Genre, vraiment, j'ai commencé à lâcher des 100 balles sur des trucs, mais qui n'ont aucun sens, quoi. Et genre, à mon âge, tu vois, genre, j'avais même pas 18 ans. C'est des sommes qui sont indécentes à cet âge-là, genre, c'est pas normal. Et en une soirée, je me disais, tiens, je vais déposer 1000 balles, ça va, c'est pas bien grave. En argent, si tu comptes pas la montée de ce que j'ai gagné l'argent avec les cryptos et tout, j'ai dû mettre bien 2500, 3000 euros, je pense. Enfin, il y a zéro problème à être mineur. Ils te demanderont jamais de carte d'identité ou quoi. En tout cas, sur Stake, moi, ils m'ont jamais rien demandé de ma vie, quoi. En fait, cette perte de beaucoup d'argent m'a fait perdre beaucoup, on va dire, confiance en moi. Ça a eu un gros impact psychologique. Je sais pas si on peut utiliser le terme de dépression, parce que je sais que c'est un sujet sérieux, mais j'ai vraiment été très, très mal. Genre, vraiment, je foutais plus rien de mes journées. J'étais là, j'étais pas bien. Enfin, voilà. Je voyais plus personne. J'étais vraiment mal, parce que tu vois, genre vraiment cet état,
Ça fait que je suis plus allé du tout en cours à la fin de l'année, je me suis complètement désintéressé. Ma moyenne au dernier trimestre, c'est zéro, donc j'ai pas eu mon bac. Et je suis pas du tout allé aussi au cours en distanciel, parce que c'était l'époque où je commençais les casinos, et j'en avais vraiment rien à foutre. Et vraiment, ça me passait au-dessus de la tête. Dans ma tête, il y avait que l'argent que j'avais perdu, en fait. Enfin, c'est comme si t'étais plus toi-même, en fait. Tu réfléchis pas, tu sais que c'est pas du tout rationnel ce que tu fais, qu'il faudrait que tu t'arrêtes, mais t'es avec l'adrénaline, t'es irraisonnable. Et après, tu te sens comme une merde. Parce que tu sais que t'es con et ce que t'as fait, c'est entièrement ta faute. Et que tu comprends pas qu'est-ce qui a fait que t'es pu aller aussi loin, en fait. Moi, cela, c'est plus un message adressé directement aux streamers. Tu sais, ils font tout le temps pour se défendre, ils disent qu'ils font de la prévention ou quoi, mais même eux, ils savent que c'est bidon, quoi. Je veux dire, ils font de la prévention, genre, ils disent de jouer uniquement ce qu'on peut perdre, qu'on peut se permettre de perdre, et que le casino, ça reste un divertissement. Je veux dire, s'ils sont pas bêtes, et ils savent que s'ils brassent des centaines de milliers d'euros, enfin, je sais pas exactement combien ils gagnent, mais c'est qu'il y a de l'argent qui perd, enfin, que les gens, ils perdent derrière. L'argent, il tombe pas du ciel, hein. Moi, j'aimerais qu'ils ouvrent les yeux sur ça, quoi. Malheureusement, son histoire n'est qu'une parmi tant d'autres, de mineurs et d'adultes perdant des sommes énormes dans le casino en rentrant dans cette addiction. Mais maintenant, revenons à l'estimation de leur revenu mensuel. Plusieurs streamers ont discuté de leur revenu pendant un de leurs streams. Et vous allez voir, c'est très intéressant. La vie, je gagne combien par mois? Bah, honnêtement, hein, je vous jure que Bidule et moi, Bidule, c'est pas combien je gagne par mois, et je sais pas combien je gagne par mois. Je pense que... Vraiment, hein. En toute honnêteté, je pense que tu fais 3M par mois. Ah ouais? 3 voire 4M par mois. Je pense, vraiment. Sans les retraits, hein. Mais après, moi, je me compare à lui, tu vois. On va dire que moi, je gagne déjà vraiment très très bien ma vie. Non, en vrai, je pense qu'il fait. En vrai de vrai, bon, 3-4M, j'ai peut-être abusé. Je pense un bon 1M5, 2M quand même. 2M facile. Ah, moi, je suis d'accord avec ton premier call. Hein. Ouais, je pense 3-4M, ouais, c'est possible. Je trouve ça beaucoup mieux. Si en tout, je peux me permettre de lui donner 100 000 euros par mois. Bon, c'est que à côté, j'ai de l'argent qui rentre, quoi. Donc voilà, quoi. Il gagne combien, Rothstein? Je pense que Rothstein, les gars, c'est. Ouais, c'est 10-15, hein. Je pense que c'est. 10-15, je pense que 10-15. Ouais. 20 par mois, facile, Roche. Ah, 20 par mois. Gros, il fait constamment 25 000 euros, quand même. Ouais, je pense 20 par mois. Impossible, vous rendez pas compte. Oui, vous avez bien entendu, on parle de plusieurs millions d'euros par mois, ce qui doit être certainement loin de vos estimations. Mais est-ce qu'il faut les croire sur parole? Honnêtement, je me pose moi-même cette question. J'ai demandé à plusieurs personnes du milieu qui m'ont confirmé que c'était largement possible. C'est quelque chose qui est très difficile à prouver à 100% tellement ce milieu est opaque. Mais personnellement, je pense qu'on est globalement sur les sommes qu'ils ont pu déclarer dans l'extrait. Pour comprendre les graves problèmes derrière ces streams de casino en ligne, on va faire un petit zoom sur ce qui s'est passé aux États-Unis ces derniers mois, parce que ce sujet a été au centre des débats. Le plus gros casino en ligne actuel a réalisé une campagne de promotion très agressive en contactant de très gros streamers américains comme XUC avec plus de 9 millions de followers ainsi que Trainwreck avec plus de 1,5 million de followers. Le deal est simple, ils sont payés très très cher pour jouer régulièrement en live. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ça a marché, très très bien marché même. Au point où le streamer XUC a atteint les 150 000 spectateurs durant un de ses streams de casino. Les gens ont commencé à s'inquiéter de ce phénomène qui n'a peu voire pas de réglementation. XQC par exemple est un très gros streamer avec une communauté très large, allant de très jeunes jusqu'aux plus matures. Stream du casino comme si c'était un simple jeu vidéo avec une partie de sa communauté aussi jeune, mais aussi sans prévention pour le reste de sa communauté, laisse à réfléchir. XQC et Trainwreck n'ont pas été les seuls à avoir été contactés par des casinos. Ça a été un vrai phénomène touchant beaucoup de gros streamers. Durant cette période, des messages privés de ces streamers ont fuité par erreur. On a pu lire sur les messages privés d'Adin Ross, un autre très gros streamer américain, qu'il a eu une proposition de 2 millions de dollars par mois pour jouer sur un casino en ligne, mais qu'il a refusé car l'autre casino sur lequel il est en partenariat lui rembourse aussi ses pertes et qu'en globalité, son contrat actuel lui rapporte plus d'argent. Un autre streamer a expliqué qu'il a reçu une proposition pour jouer au casino en ligne en échange de 35 000 dollars par heure. Un échange de messages privés entre XQC et Trainwreck a aussi fuité. On peut y lire que Train demande à XQC de partir le plus rapidement possible des États-Unis pour retourner au Canada pour pouvoir continuer à stream du casino en ligne. Parce que oui, c'est illégal aux États-Unis contrairement au Canada. Les sommes gagnées par ces streamers sont tellement importantes que déménager dans un autre pays pour pouvoir continuer ce partenariat est quelque chose d'envisageable. On a aussi pu apprendre que Trainwreck est quelqu'un d'assez proche du gérant du casino avec qui il est en partenariat, ce qui laisse planer un doute sur les avantages qu'il peut avoir. Il a annoncé lors d'un débat sur le sujet qu'il était payé 1 million de dollars, mais qu'à contrario, il avait perdu 2,8 millions de dollars dans le casino en ligne ce mois-ci. Et quand on regarde son stream, ce n'est pas très étonnant.
cartonnant. On peut le voir jouer au casino pendant plus de 15 heures, en réalisant des spins de machine à sous à plus de 500, 1000, voire 2000 dollars. C'est-à-dire que sur l'extrait que vous voyez, chaque tour de machine représente 1000 dollars. Et pendant toute cette session, on peut le voir redéposer plusieurs fois 250 000 dollars après que son solde soit à 0 euros. On peut se demander légitimement si ses pertes ne sont pas remboursées, et si ce n'est pas le cas, être autant addict est encore plus inquiétant quand on peut imaginer les dizaines de milliers de personnes le regardant. Certains streamers en partenariat ont en effet des avantages non dits à leur communauté qui leur permet de jouer très gros. Par exemple, comme je vous l'ai dit plus tôt, certains casinos remboursent les pertes des streamers. Si tu as misé 200 000 euros de ton propre argent en ayant tout perdu, ils te le rembourseront. D'un côté, ça crée du contenu gratuitement, et de l'autre, tu ne pourras jamais être perdant. Et ça permet aussi de faire croire à sa communauté que tu prends de gros risques, et donc rendre le stream plus sensationnel. En fait, les gars, moi, dites-vous, les gars, je suis pas là vraiment pour... Je vais être tout à fait honnête avec vous, les gars, je suis pas là vraiment pour gagner de l'argent quand je fais des wagers. Je suis là pour vous donner du spectacle, je suis là pour vous faire des choses que la plupart des gens ne pourront jamais faire de leur vie. On est là pour faire du spectacle, les gars, pas forcément pour gagner de l'argent. Je gagne très bien ma vie, les gars, avec l'affiliation, on va pas se mentir, hein, je gagne... très très bien ma vie. Ils peuvent aussi multiplier fictivement leur montant affiché, c'est-à-dire que le casino peut très bien, après que tu aies déposé 10 000 euros, multiplier fictivement cette somme par 50, ainsi que le gain par 50, pour donner l'illusion de jouer et gagner gros. Ils peuvent aussi dire aux streamers de réaliser de faux retraits pendant leur session en direct pour donner l'illusion d'un argent réel. Hors live, le streamer redéposera le montant retiré. Le fait de faire croire qu'ils jouent avec leur argent à eux leur permet de faire des mises risquées et donc faire du spectacle. Ça donne l'illusion qu'ils sont au même niveau que les spectateurs, et s'ils gagnent de l'argent, ça donnera aussi envie aux gens de jouer avec leur vrai argent. Vu que ces casinos en ligne ne sont pas réellement régulés, au vu de la licence de Curaçao qui est très bancale, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tout se base sur l'honnêteté du streamer de dire qu'il joue avec de l'argent du casino, voire même du faux argent. Mais forcément, c'est bien plus positif pour eux de dire qu'ils jouent avec leur argent. Qui regarderait quelqu'un qui ne joue pas de l'argent réel? À côté de ça, l'hypothèse de machine à sous trafiquée n'est même plus importante. Si tu trafiques l'argent et le rend quasiment illimité, même plus besoin de faire gagner plus vu que le streamer ne perdra jamais. Tout ça permet au streamer de vendre du rêve, du sensationnel. En augmentant les sommes misées ainsi que les gains récoltés, ça permet d'un côté d'avoir des streamers en sécurité niveau argent, et de l'autre de donner envie aux gens de jouer sur ces casinos. Dans tous les cas, les gagnants c'est eux, les perdants c'est vous. J'ai été choqué de l'évolution des montants des mises au casino depuis un an. Quand on regarde l'année 2020 chez certains streamers francophones comme Bidule par exemple, on le voit faire des mises beaucoup plus basses qu'actuellement. Ces mises ont été multipliées avec le temps, les sommes données par le casino aussi, et c'est dû à l'augmentation des personnes qu'ils ramènent sur ces sites de casino en ligne. C'est une preuve que cela fonctionne, et de manière réellement exponentielle. Sur les streams des plus gros streamers casino, on est sur des sommes complètement folles qui dénaturent entièrement le jeu. Mais surtout, on s'habitue petit à petit à trouver ça normal de voir des sommes aussi folles être jouées. Et surtout, le plus fou, c'est que ces streamers ne se contentent plus de petits gains. Gagner plusieurs milliers d'euros ne suffit plus, et être gagnant ne suffit plus non plus. Il faut un très gros multiplicateur pour que la personne soit satisfaite et le montre à la caméra. Ce streamer francophone a même expliqué qu'il ne peut pas regarder d'autres streamers faisant des mises à moins de 10-20 euros parce que sinon il s'ennuie. Les gars, moi je vous parle pas de vous quand vous spinnez, hein. Mais quand vous regardez un streamer, ça vous fait chier de... Genre, vous aimez pas trop regarder... aujourd'hui j'arrive plus à regarder un streamer qui se mine moins de 10 euros, tu vois. Moins de 10-20 euros quoi. La surenchère depuis un an est en explosion. On voit chaque mois des gains à plus d'un million de dollars. Par exemple, le plus gros streamer de casino, Rochtain, a gagné plus de 2 millions de dollars. Deux fois en moins de deux semaines. Ces streamers publient des best-of de leurs gains sur YouTube. Ils affichent leurs retraits, leurs jackpots, leurs richesses. On va dire le niveau moyen du spectacle a tellement monté. C'est une sorte de surenchère de la part des streamers, de Roche, de Train, de même à l'échelle francophone, de Loupou ou quoi, qui ont commencé à spin des même teuf, à spin des 500 000 balles de plus en plus fréquemment. Mais il y a des gens qui, quand ils regardent des mises à 20 euros, à 30, même à 50 balles, ils se disent bah vas-y, bah c'est nul. Ils sont habitués à avoir des trucs à 500 balles. Et d'ailleurs, c'est le cas. L'admet, moi j'ai commencé le casino, comme tout le monde, j'ai spin quelques centimes, après je suis monté à 1 euro de la mise, puis 10, et voilà, c'est monté progressivement. Donc maintenant, si tu me dis retourne à 5 euros le spin, je vais avoir aucune sensation, et ça c'est réel, donc je peux le comprendre. Comment voulez-vous que les personnes regardant ces streams deviennent raisonnables dans leur jeu quand ils regardent des personnes à l'exact opposé? Si ces personnalités sont aussi proches des casinos en ligne, c'est tout simplement parce que leur taux de transformation de la possible clientèle est très élevé et surtout très rentable. Et il est là le plus gros problème. Ces streamers se
cache derrière de prétendues préventions, rejetant la faute chez les joueurs et ne se pensant pas responsables. Sauf que tout est fait chez eux pour donner envie de jouer. Certains gros streamers ont même mis en place une sorte de système de cartes de fidélité en donnant des points quand ils gagnent beaucoup d'argent. À force d'accumuler des points, tu peux prétendre à les échanger contre des récompenses, comme des cartes cadeaux ou de l'argent. Et en voulant séduire ces personnes avec des points de fidélité, des promesses de gros giveaways, certains cadeaux d'argent spontané en live ou sur Twitter, ils ciblent directement une partie de la population très sensible aux jeux d'argent. Des personnes plein de rêves de richesse qui pour la plupart n'ont pas beaucoup de moyens financiers, voire assez pauvres, et donc une population de possibles joueurs qui pourraient être en grande difficulté. Qui, avec un revenu stable, voire plutôt aisé, restera des mois à regarder des centaines d'heures de stream afin de récolter des points de fidélité pour espérer un jour avoir assez de points pour gagner un cadeau. Comme tous les jeux d'argent, le public cible ce n'est pas les personnes avec des bons revenus, mais bien ceux ne roulant pas sur l'or. Habituer les gens à des cadeaux possibles à tout moment, c'est s'assurer une base de spectateurs solide et c'est encore une fois une stratégie commerciale pour ramener des clients au casino et donc que le streamer gagne de l'argent. Enfin encore une fois les giveaways, on va pas se le cacher, on a un intérêt à le faire, tu vois, que ce soit pour que les gens arrivent sur Discord, et Discord on a nos bails. Ou pour avoir plus de followers, ou voilà. On a aussi des sortes de jeux organisés à travers le casino, comme le streamer Rochstein par exemple, qui réalise des tournois entre machines à sous pour savoir laquelle donnera le plus d'argent, ou encore la possibilité de parier sur son Discord sur le solde final de son compte. Et si ton pari est bon, tu peux gagner de l'argent. Bien entendu, pour le recevoir, tu dois avoir un compte sur le casino. Tout donne l'impression d'une ambiance de jeu et de cadeaux, mais la finalité derrière est de faire jouer les gens au casino en ligne. On est vraiment sur du marketing. À côté de ça, sur leurs réseaux sociaux, ils transmettent l'image d'une réussite sociale qu'ils associent directement au casino. Ils partagent leurs gains, des sommes folles qui font là aussi rêver, ils partagent aussi les gains de leurs abonnés qui transmettent comme message ça peut arriver à tout le monde. Sans oublier qu'ils mettent en avant très régulièrement leurs offres de bienvenue pour inciter les joueurs à jouer dans des casinos en ligne complètement illégales, en leur donnant notamment des astuces pour pouvoir contourner les interdictions comme jouer avec un VPN ou passer par un site miroir pour contourner le blocage d'un site. Et en parlant de ces offres de bienvenue, il faut comprendre une chose, c'est que la plupart de ces offres sont très risquées. Globalement, les offres de bienvenue les plus mises en avant sont celles avec des bonus de dépôt. Par exemple, avec 100€ déposés, le bonus de 200% vous donne 200€ de plus, ce qui fait un total de 300€. Sauf qu'il est très très souvent associé à un wager. Par exemple, ça peut être un wager x30, c'est-à-dire qu'entre tes gains et tes mises, il faut avoir joué 300€ x30, c'est-à-dire 9000€, pour pouvoir retirer de l'argent. Et pour y arriver, il faut en général jouer de façon risquée ou espérer gagner gros, c'est-à-dire être dans un comportement à risque et perdre son argent. Leur soi-disant offre est à mon sens un faux bon plan. Et chez beaucoup de leurs partenaires, les wagers ont en plus d'autres conditions, comme des machines à sous interdites, le blackjack interdit, des mises illimitées ou encore un VPN interdit. Sauf que la majorité de ces casinos ne limitent pas techniquement toutes ces choses. C'est-à-dire que si une machine à sous est interdite dans les petites lignes des conditions, mais que tu y joues quand même, mais qu'après beaucoup de chance tu as assez gagné pour retirer de l'argent, eh bien le casino peut très bien bloquer ton argent pour non-respect des conditions. Et bien entendu, aucun moyen de vous retourner contre le casino vu que c'est illégal et non réglementé en France. C'est donc des offres de bienvenue très ambiguës et qui à mon sens ne sont pas du tout des bonnes affaires et sont simplement là pour encore une fois vous vendre du rêve en multipliant votre dépôt. Sauf que derrière, vous avez encore moins de chances que d'habitude de sortir avec de l'argent. Et j'ai vu des centaines de personnes dans ce cas-là, s'étant fait bloquer leur argent pour une condition écrite en petite non respectée. Alors oui, à côté de tout ça, les streamers partagent de temps en temps leurs pertes, mais c'est tellement minoritaire qu'on au reste. C'est pas du tout ce que l'on retient. Pour se défendre, ces streamers disent régulièrement qu'ils font beaucoup de prévention à leur communauté pendant leur stream. C'est quelque chose que j'ai pu vérifier après avoir regardé des dizaines et des dizaines d'heures de stream depuis mai 2021. La prévention faite représente quelques dizaines de secondes, au maximum quelques minutes sur des streams de plusieurs heures. C'est ridicule. Des personnes peuvent très bien regarder une partie d'un stream pendant une heure et ne pas entendre une seule seconde de prévention. Et quand il y a une prévention qui est faite, elle peut être dite d'une façon automatisée, sans réelle conviction. Je vous fais des bisous les gars, à demain, faites attention à vous, faites attention à votre argent si vous jouez au casino. Plus 18 ans, le casino est toujours gagnant, mais si vous voulez quand même vous amuser, pour la Samson Steak, vous avez 30€ offert, vous déposez 20€. Et il ne faut surtout pas oublier que ces streamers ne pourront jamais faire de réelle prévention efficace pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont dépendants des joueurs. Vos pertes sont leurs gains. En partant de ce principe, plus ils donnent envie, plus ils gagnent de l'argent. Et on le voit quand on regarde la différence des sommes jouées entre 2020 et 2021. Si ces streamers se permettent de jouer autant, c'est qu'ils ont amené encore plus de joueurs. La deuxième raison vient du fait que tous ces streamers de casino en ligne sont eux-mêmes en pleine addiction. Ce sont d'ailleurs les seuls joueurs au monde à pouvoir être rentables au casino.
casino. Parce que derrière, les joueurs qu'ils ramènent perdent de l'argent. Tu ne peux pas devoir ramener des personnes, mais aussi les protéger, ce n'est pas possible. Et la meilleure méthode qu'ils ont trouvée pour ramener toujours de nouveaux clients, ce sont les giveaways, les concours. Le principe est simple, ils donnent de grosses sommes d'argent sur Twitter en échange d'un follow et d'un retweet pour participer. Et pour le coup, ça fonctionne extrêmement bien. On est sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de retweets. Certains sont même régulièrement en top tendance Twitter. Ils disent en général que c'est parce qu'ils ont beaucoup gagné dernièrement, que c'est pour en redonner aux abonnés, mais c'est tout simplement un moyen de ramener toujours plus de nouvelles personnes sur Twitch. Parce qu'après le concours terminé, les personnes sont toujours abonnées au streamer. Sur les milliers de nouvelles personnes, il y a un certain pourcentage qui seront curieux et regarderont leur stream, qui par la suite voudront essayer le casino. Et c'est comme ça qu'ils s'assurent un cycle infini de nouveaux joueurs, grâce à leur concours qui n'est au final qu'une campagne de pub. Et si vous avez du mal à vous imaginer à quel point c'est facile et rentable pour eux, je vais tout simplement vous le prouver. J'ai organisé sur mon Twitter et mon Instagram deux concours pour vous faire gagner 250€ pour vous et un de vos amis. Ce qui fait donc un concours qui me coûte 1000€ de ma poche. Je vous mets un screen de mes stats sur mon Instagram et mon Twitter à la sortie de la vidéo. Et vous allez voir que d'ici la fin du concours qui est dans 2 semaines, c'est-à-dire le 17 septembre, je vais avoir gagné plusieurs milliers d'abonnés. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ces concours sont bien plus avantageux d'un côté. Je vais peut-être investir 1000€, mais les milliers de nouveaux abonnés vont largement rentabiliser l'investissement. Et au final, tu améliores ton image et ta notoriété grandit. D'ailleurs, si vous voulez participer, les liens sont en description, ça prend 10 secondes de votre temps. Les sommes qu'ils investissent dans ces concours ne sont pas des cadeaux. C'est une somme qu'ils savent qu'ils vont directement récupérer par la suite. Parce que dans le lot des nouveaux abonnés, il y aura forcément de nouveaux joueurs de casino et donc une rentrée d'argent. Et s'ils en font autant, c'est que c'est tout simplement rentable pour eux. Si ces streamers sont millionnaires, c'est qu'ils ont tout simplement fait perdre des millions d'euros à leur communauté, vu qu'ils sont payés à la commission. Plus ils font perdre de l'argent aux gens, plus ils deviennent riches. Mais dit comme ça, c'est moins glamour, et donc ils font en sorte d'être flous sur leurs revenus, de faire plein de soi-disant cadeaux pour donner l'illusion d'une générosité. Faire des dons à des associations, comme le streamer Bidule peut faire. D'ailleurs, ces dons ne sont pas toujours montrés publiquement, ce qui met un doute sur le fait qu'il fait réellement ses dons. C'est tout simplement comme le greenwashing que font certaines entreprises, donner l'illusion de bonnes actions pour améliorer leur image et être plus acceptées et tolérées sur la plateforme Twitch. Sans oublier que du côté de Twitch, aucune mesure n'a été prise pour réglementer tout ça. On peut même avoir dans ses recommandations des streamers de casino en ligne au même niveau que d'autres personnes sur des jeux vidéo. J'ai moi-même fait le test. Et bien entendu, aucune limite d'âge obligatoire sur ces streams. On retrouve seulement une pop-up à la manière d'un site pornographique sans vérification d'identité. Chose qui n'est même pas obligatoire par le streamer, c'est au bon vouloir de ce dernier. Et quand sur ton compte Twitch tu indiques un âge d'une personne mineure, cela ne change en rien les recommandations qui mettent aussi en avant des streams casino. Sur une plateforme autant regardée par un public jeune, cela pose beaucoup de soucis. Au final, leur prévention n'est qu'une façade, parce que quand on prend du recul, on voit que tout est construit pour augmenter leur trafic et faire jouer les gens. Stream le plus longtemps possible sur leur chaîne en faisant stream d'autres personnes, les concours pour amener de nouvelles personnes, des mises et des gains de plus en plus gros pour du spectacle, une richesse étalée aux yeux de tout le monde, un système de fidélité, tout est fait pour donner envie. La prévention est tellement faible qu'on retrouve régulièrement des mineurs sur les streams, voire même dans les joueurs. On peut en voir en regardant sur leur Discord, sous leurs tweets, dans leurs abonnés Twitter ou Instagram, dans leur chat Twitch, et ils ne sont jamais bloqués. Sur le Discord casino du streamer Tuffer, les mineurs sont même plus qu'autorisés, expliquant que tant qu'ils ne vont pas jouer, il n'y a pas de souci. Sauf que dans la réalité, on trouve des mineurs qui en parlent et qui jouent au casino sous leurs tweets ou dans leur Discord. Et il y a même pire, comme ce streamer Fortnite qui a donc une communauté extrêmement jeune, j'insiste là-dessus, qui réalise régulièrement des sessions de casino en ligne en partenariat avec ce dernier, devant des milliers de personnes et donc des centaines et des centaines d'adolescents. On peut s'interroger sur la responsabilité des streamers dans ces moments-là quand ils connaissent l'âge moyenne de leur communauté, mais aussi du côté de Twitch de n'avoir aucune réglementation. Je suis même tombé sur cet extrait où ce streamer fait jouer un mineur de 15 ans au casino en ligne. Non, arrête, les couilles. Non, pas ça, attends. Football studio. Non, 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 non. Non, mais si, c'est vraiment rentable. Zob, ferme ta gueule, t'es... Tu mets 50 balles au football studio, c'est très bien. Comment peut-on parler de prévention en voyant tout ça? C'est même l'exact opposé, on peut parler d'incitation. À côté de tout ça, certains streamers incitent aussi directement leurs spectateurs à s'inscrire sur ces casinos en jouant sur la corde sensible. Juste les mecs, oubliez pas, point d'exclamation steak pour vous inscrire, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient. Si vous voulez prendre les offres, point d'exclamation support, mais juste au moins, même si voilà, vous voulez pas jouer au casino et tout, faites ce que vous voulez de toute façon,
Point d'exclamation steak pour vous inscrire, les gars, ça soutient. Déposez plus sur les casinos, les amis, si vous voulez qu'on ait plus. Et oui, je vous le dis de manière crue, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous inscrivez avec le point d'exclamation Nevada, Magical et Ali, plus on aura de chances d'avoir des watchers plus gros pour pouvoir vibrer un peu plus avec vous. Il n'y a pas de secret, hein. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pu interviewer le directeur juridique de l'Autorité nationale des jeux. Ce sont eux qui régulent les jeux d'argent en France. Ils ont répondu à mes questions par rapport à leur position sur les casinos en ligne, ainsi que les streamers de casinos en ligne. L'objectif va être à la rentrée de se tourner vers l'ensemble de ces plateformes avec le recrutement qui devrait être effectif au 1er septembre d'un magistrat procureur qui travaillera au sein de l'autorité et qui sera chargé de déployer pour le compte de l'autorité, finalement pour le compte de l'État quelque part, la lutte contre cette offre illégale, l'offre illégale elle-même, mais aussi, parce que vous l'avez très justement relevé, la publicité qui est faite autour de ces jeux et grâce à laquelle précisément ces jeux existent. Le déploiement particulier de la lutte contre l'arsenal de la lutte contre l'offre illégale va débuter véritablement en septembre. Le fait que la personne se trouve à l'étranger ne l'empêche pas de commettre une infraction en France. Ça n'empêche pas non plus de poursuivre, même si la personne n'est pas là. Parce qu'au final, une décision sera rendue, puis si un jour cette personne francophone, et peut-être même française, vient sur le territoire français, eh ben, elle sera accueillie avec, j'allais dire, à bras ouverts. Donc ça n'empêche pas d'agir. Je pense qu'il va falloir que maintenant tout le monde prenne ses responsabilités par rapport à ça. En tout cas, l'idée, ça va être quand même de leur rappeler très clairement à la rentrée. Dès lors qu'ils font la promotion d'un site qui a une activité illégale sur le territoire français et qu'ils le font en toute connaissance de cause, et j'imagine que s'ils font la publicité comme ça, c'est que c'est en connaissance de cause, oui, c'est illégal et c'est sanctionné pénalement. Et ça peut être lourdement sanctionné pénalement. Donc, oui. Et qu'est-ce qui risque, justement ? Alors, comme je vous l'ai dit, ça relève de la publicité illégale d'un site de jeu d'argent et c'est une amende qui peut aller jusqu'à 100 000 euros. Il y a des situations qui méritent aussi d'être creusées. Vous en avez certains qui sont quelque part aussi, qui font la publicité, mais qui ont peut-être des liens plus étroits avec le site de casino en question, qui retirent peut-être directement des revenus de cette activité et qui peuvent être aussi directement complices de l'activité, si vous voulez, d'offres illégales sur le territoire français. Et à ce titre, si on passe, si vous voulez, du côté de la fourniture d'une offre illégale, on passe sur des peines d'emprisonnement qui peuvent être quand même assez importantes. Vous avez, pour la fourniture d'une offre illégale, 3 ans d'emprisonnement et 90 000 euros d'amende. Et sans parler de Twitch ou ceux que je vais appeler les hébergeurs de contenu, si vous voulez. S'ils ont un rôle vraiment actif, la question peut quand même se poser de leur participation directe à la commission d'une infraction, quand même. En tout cas, il faudrait qu'ils y réfléchissent sérieusement et on va y réfléchir, nous, de notre côté. Ces casinos en ligne ne sont pas réglementés et c'est pour cela qu'ils sont interdits. Ces streamers se cachent derrière une soi-disant non-responsabilité alors qu'il y a forcément des tas de vies détruites derrière ces richesses qu'ils ont amassées. Du côté de Twitch, c'est pareil. La seule action qu'ils ont faite, c'est interdire le 17 août 2021 les liens d'affiliation sous les streams. Sauf que les streamers continuent de partager leur Twitter et leur Discord pour rediriger les personnes sur ces liens d'affiliation. Le problème est seulement déplacé. Les mineurs peuvent toujours avoir accès sans aucune limite à des streams de casino en ligne. Les faits sont que toute cette promotion de casino en ligne non réglementée a impacté des centaines de vies, a ruiné des tas de personnes. Certains s'en sortent avec quelques centaines d'euros de perdus, mais d'autres sont tombés dans une addiction tellement forte et profonde qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir et ont perdu des sommes tellement élevées qu'ils sont endettés. Et elle est ici la réalité du casino. Si ces streamers gagnent autant, ce n'est pas par hasard. Je pense personnellement que ces streamers savent qu'un jour Twitch va interdire le casino sur leur plateforme. Entre temps, ils auront bien profité de cette réglementation très souple. Cela va beaucoup les impacter, mais ces gros streamers casino ont tellement de notoriété qu'ils pourront rediriger leur communauté ailleurs, comme ils le font actuellement sur leur Discord. Pour toutes les personnes qui ont des difficultés avec ces casinos en ligne, qui pensent être en situation d'addiction, je vous invite très fortement à contacter SOS Joueurs au 09 69 39 55 12 ou bien Joueurs Info Service au 09 74 75 13 13. Vous allez pouvoir parler à des personnes qui connaissent ce genre de situation. En parler, c'est toujours la première étape pour s'en sortir. C'était à mon sens très important de faire le point sur ce phénomène qui grossit de plus en plus en France et dans le monde entier. Je sais aussi que le casino, c'est des personnes voulant s'amuser avec des sommes qui peuvent se permettre de perdre. Mais les dérives autour du casino en ligne sont trop grandes avec une promotion sans limite faite par ces streamers. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, ça a été très compliqué à écrire. N'hésitez pas à la partager si ça vous a plu et vous abonner. On se dit à la prochaine, ciao tout le monde.